Et bonjour à tous, c'est parti pour un peu de Planet Zoo. Alors, hop. Alors, on cherche la petite scène. Oula. Oula, oula, oula. Non, non, non. Bam, bam. Je suis psy. Si, c'est bon. Normalement, ça... c'est bon. Bam. Alors, hop. On était parti sur le petit bâtiment Australie. Petit, mais costaud, hein. Alors, hop. Je sais pas si on m'entend bien d'ici, mais bon. Alors, je mets ça là. Donc ouais, petit bâtiment Australie qui va faire plaisir parce que je vais pouvoir mettre des petits animaux qui sont, on va dire, normalement au chaud. On va pouvoir les mettre à l'intérieur. Et puis ça fera du bien. Alors, pas de salle du personnel. Ah, c'est l'électricité qui manque pour ces trucs là. De toute façon, ça, je pourrais mettre une... C'est pas fini, ça. C'est pas du tout fini, ça. De ce côté-là, c'est pareil. C'est pas du tout fini. D'ailleurs, je pourrais commencer à créer le... Ah, ça n'est pas bête. Ouais, déjà commencer à faire ça. Oh, il faut faire attention. Ouais. Va falloir faire attention aussi à... à l'argent. L'argent qui s'en va très vite. Alors, j'aimerais que ça puisse aussi me faire du bien à... Ça change pas grand chose que je le mette en hauteur ou pas, donc on va essayer de les mettre quand même mais... à hauteur de toi, un truc comme ça. Hop là, ça pourrait être pas mal. Dommage que les panneaux solaires soient pas si intéressant que ça finalement. Et donc ici je mettrais carrément la même chose mais de l'autre côté quoi. Alors est-ce que si par hasard je mets ça ici, ça passe ou pas? Ou ici, ouais, ici ça fait un sacré trou, un trou de vide quoi. Peut-être plutôt le mettre ici. Voilà. Ça sera un peu mieux. Faudra juste éviter de mettre les panneaux, quoique normalement pratiquement... est bon. Pourquoi ça c'était dans le... Ça a besoin d'électricité ça? Non, bizarre. Bizarre.
Bon, normalement c'est bon ça. Bon, on peut laisser ça comme ça et puis en mettre un par là quoi. Un truc comme ça. La musique flippante alors qu'on est juste sur du zoo. Doucement la musique, doucement. Carrément utiliser ça. Ça sera plus, ça sera mieux. Je pense que ça sera mieux. Je pense que ce sera plus. Ah, j'ai peut-être une autre idée. Est-ce que ce serait pas encore mieux d'utiliser le. Une vraie allée. On verra. On verra, mais je pense que oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense que ouais, ouais, ouais. Alors, on avait dit casoar de ce côté-là. Faut vraiment juste que le truc soit propre. Bim, il va être adulte. Super. Ah, le petit truc communautaire, c'est quoi? 1000. Oui! Oh merde, il est déjà fini le truc. Oh. Il reste 2 jours. J'ai absolument rien fait. Je vais laisser couler le temps, puisque de toute façon, il me faut de l'argent. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée. Et bah c'est parti, on verra combien de pangolins je vais pouvoir avoir. Alors, à partir d'ici, normalement, il n'y a plus grand chose à faire, à part de la déco. Et puis, normalement, ça va aller. Normalement, ça va aller. Ici, je voulais faire quelque chose d'un peu plus beau, mais... bof bof en fait hein. Ça je suis pas certain hein. Hop un petit salut un petit ah non ça c'est moi ça sert à rien un petit salut bim. Bleu, 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 bleu. Ouais, il y a du monde qui est revenu, hein, c'est cool. C'est super cool. Tout le monde est au rendez-vous. Et c'est la fête. C'est la fête. A priori, il n'y a plus de problème de maladie chez les manchots.
Et on va espérer que les pangolins se tiennent. Ah, Tifog Gris qui va pas bien. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il est stressé à cause de. Ouais, il est passé juste à côté. Il est passé juste à côté. Il a pas aimé le bruit, quoi. Ouais, c'est ça le bruit, voilà. Comment ça? C'est hyper fort la musique. La musique hyper forte. Ici. Ouais. Ouais, après c'est oh. Merci Simène. Alors Simène Van Nelen 10. Je sais pas si t'es là. Petit coucou dans le chat si tu veux. Ça fait toujours plaisir. En tout cas merci du follow. Alors, bon, allez, je vais continuer ici pour bien faire les petits enclos associés à chaque animal. Alors, oh, le bruit. Ah, il y a peut-être un peu trop de mal. Non, même pas. Le groupe est devenu... Il commence à devenir grand, balèze. Hein. Ça peut être sympa. Ça peut être sympathique. Alors... Ici c'est pareil, je sais pas si ça vaut le coup de fermer ou pas. Donc ils rentrent par là, ils ressortent par là. Est-ce que c'est déjà ouvert? J'ai un sacré doute là. Parce que en fait on peut carrément l'ouvrir dès maintenant. Hein. Ah, c'est encore un test. Non mais c'est bon le test. Hop là, c'est ouvert, télécabine. Alors, non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ouais, tout ça, c'est déjà fini, on est d'accord. Alors, comment je peux l'appeler ce truc? Comment je sais pas, j'ai aucune idée de. Alors là. S'il y en a dans le chat qui ont une idée. Les stations, ça va être plus simple, je pense. Terminus. Station. On va juste mettre des noms de comme ça générique. Ça sera juste plus facile en fait. Boréal avec un E, j'imagine. Ça s'accorde. Alors, hop. Par contre, le truc de ouais, la télécabine, j'ai aucune idée de.
Alors les pangolins, les petits pangolins. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont tous là. Et ils commencent à être nombreux. Hein. Mais je crois que ça décline très vite. Là, il y a trop d'adultes. Alors, les animaux qu'il y a dans ce groupe, c'est à peu près la parité. Hein. Il est où le vieux mâle? Lui il est un peu vieux. Hop! Alors. Non. Bon, à la limite, hein. Mais on réalise. Ça gratouille, c'est où? Ah, c'est lui. Ah, il était là, le vieux mal. Bah, je vais juste enlever lui, en fait. Bam. Du coup, normalement, ça devrait être mieux. Le groupe social devrait être plus équilibré. Voilà. La musique est un peu forte. Hein. Un animal s'est échappé. Carrément, quoi. Ah, les problèmes avec ces... Oula! Oula la 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 la. Bim! Par contre, il a fait comment? Parce que là, quand même... Il est où l'autre? Ah, ici. Voilà. Où est-ce? Ah, non. Ah. Bim. Et normalement ça devrait aller. Bon, la musique est beaucoup trop forte. Voilà. Boum. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah, il y a toute la lumière aussi à faire. Donc ici, je mettrais bien... Ouais. Alors, on va mettre tout ici, tout ce qui est... Ah, peut-être pas en fait. Est-ce que je mettrais pas une zone cachée? Non, on s'en fout. Pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Non mais en plus, je sais plus du tout ce qu'il leur faut au Kazoa. Je vais juste rajouter une porte. Par contre, elle, je vais vraiment la cacher. Donc, autant la mettre... Ah mais ici, ça va être... Ouais, hein, c'est pas...
C'est pas dingue dingue. Non mais de toute façon je peux la cacher. Par contre ici ça peut être sympa. Ici par exemple ça peut être très sympa vu que c'est vraiment à côté des... Ouais. Autant perdre le moins de place et faire perdre au soigneur le moins de temps possible. Alors ici de toute façon c'est Australie. C'est ça. Oula, c'est un peu trop haut. Bim. On va juste mettre une petite clôture. Alors en bois ou en métal? Non, métal. Métal carrément. Bim. Bim. Voilà, un peu centré. Voilà. Alors évidemment, on va enlever la brique. Hein. On est là pour faire des choses jolies quand même. Hop. Autant faire l'enclos direct aussi. Hein. Comme ça, ce sera fait. Hop. Hop. Bim. Bim. Rebim. Et re-rebim. Encore rebim. Hop. Hop là. Ah, je pense que ça va être beau ça. J'espère que les casoirs sont pas trop chiants niveau stress parce que par contre ça va. Enfin, les visiteurs vont être à côté quoi. Ah mais en fait il y a le truc qui va être... Ah ouais non mais tant pis. Parce que oui du coup il y a une cabane de soigneurs dans la dans le truc mais c'est juste pas possible. Ça va juste pas être possible de mettre... de les faire... de les faire se rencontrer pour ce pour cet enclos en tout cas. Alors, elle est où la poporte? Elle est où la poporte? Bam! Oula, 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 oula. Doucement. Voilà, là on est bon là. Une petite finition après, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que... J'hésite à faire une... un sas. J'hésite à faire le sas. Genre le petit sas. Ah, je sais pas trop. Je sais pas si ça va être. Enfin, si c'est potable ou pas si je fais ça. C'est un petit peu le souci. Si par exemple. Ah ou comme ça plutôt, ouais. Carrément. Ah mais ils vont passer à travers. Oh non. Oh non, ça va être moche. Ou plutôt comme ça, oui. Comme ça. Donc là, de toute façon, on s'en fout, personne n'ira là. Par contre, ça, je l'enlève et je mets ici à la place. Du coup, je vais enlever... Il y avait encore la brique, là. Donc ça, je l'enlève.
On est d'accord. Du coup, ça aussi. Je sais pas où elle est le. Ah, il est là. Je vais juste placer donc la porte. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais pas du tout. Ah oui, du coup, il veut absolument. Bah oui, normal. Normal. Non, pas en vert. Ah, puis on entend la pluie à fond. On va juste déblayer ça. Alors, c'est très gentil de. Je sais même pas où aller la porte. Ouais, mais c'est à cause de l'allée. Ouais. Oh là là là. Aïe 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 aïe. Je voulais juste faire quelque chose de simple à la base. Allez, ça va fonctionner. On y croit à fond. Ça c'est invisible, hein. Bim. Ça c'est pareil, c'est invisible, carrément invisible. Oula, bah non. Oui, bon. Voilà. Ouais. Non mais. Mais qui lit. Mais. Mais quel enfer. Bim. On relie avec ça. On est bon là, hein. On est bon. On y croit, mais à 100%. Hop là, et là, il n'y a plus qu'à relier avec, je sais pas où il est. Il est là. Hop. Et voilà, c'est nickel, c'est tout beau, c'est tout bon. Il y a juste ça pour vraiment au millimètre. Ah, ça bouge la porte direct, ça. Aïe, 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 les problèmes. Bon, allez, c'est bon. Je pense pas qu'il nous embête avec ça. Je pense pas. J'espère pas. Donc, terrain, bam. Non, pas du tout. Allez. On veut une allée propre, correcte. En écorce ? En écorce, c'est pas mal. Ouais, ou carrément. Non, pas du tout. Ou alors on prend le. L'Australie, là, il est où? C'est lequel? C'est celui-là, hein? C'est celui-là. Ah oui, non, du coup, il va pas être en. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je vais prendre mon écorce. Et bim. Ouais, on va faire un truc comme ça et puis ça ira parce que en fait ça on va l'enlever. À deux doigts de mettre simplement un. Pourquoi pas même. Hein. Mais de base en fait j'aurais juste dû utiliser les. Comme ça. Comme ça. Ah ouais, mais ça. Ça marche pas du tout. Si, non. Pas du tout, du tout. Bon. Du coup, c'était pas le bon plan. Est-ce que. Est-ce que si je fais ça. Mais alors, encore moins. Aïe aïe aïe, les problèmes.
Les problèmes. Je crois que je vais juste le mettre en plus à côté. D'ailleurs, je vais le mettre avec. Et ensuite, je vais le dissocier. Il est où? Il est là. Et ensuite, je vais le dissocier. Comme ça, il sera tout seul. Ça sera bien plus simple. Je pense. J'espère. Voilà, un truc comme ça. En espérant que ça dépasse. Non, il n'y a rien. Non, c'est bon. Il n'y a rien qui dépasse. Ça m'a l'air bon. Et ensuite, il y a juste à reprendre lui. Pareil, on dissocie. On le... Hein, duplique. Et voilà, normalement, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas... Oula, il neige carrément. Il neige carrément, en fait. Ici, je suis à deux doigts de mettre juste une porte. Je pense que ça suffit. En vrai, tout le monde s'en fout que... Ouais. Hein. Je pense que ça suffit. Puis on... De toute façon, on traverse. Alors, porte. Bam. Non, mais dans tout. Petite porte de... comme ça là. Ou carrément... Ouais, je sais pas. Comme ça, ça peut être une idée. Y a pas une double porte vraiment service. C'est pas dingue. Parce que là, ils vont juste traverser. Ça va pas être dingue. Je sais même pas où il est le... Ah oui, c'est vraiment... Ok. Genre si je fais ça, c'est bon quoi. On sait pas du tout... Mais ça se voit pas. Hop, voilà, au moins on a un truc propre. Un truc propre qui se voit. Alors, l'éclairage, on va continuer sur le délire comme ça là, bam. Une ici, toujours. Parce que je sais pas trop ce que je peux rajouter. Ici, je pense pas qu'il faille mettre trop de. Ah, mais il y a des gens qui viennent déjà. Ah, mais ils ont pris le petit... la petite cabine, là. C'est ça, en fait. Ah, par contre, je pense que le retour est tourné forcément à vide, on est d'accord. Hein. Ah non, même pas. Ou alors les gens sont pas sortis, peut-être. Ouais, je sais pas, trop bizarre. Alors... Non, le problème c'est que là déjà ça déconne. C'est déjà en train de déconner. Je vais juste mettre une...
un petit truc comme ça vite fait. Vraiment. En cas d'extrême urgence. Parce que là, ça va être horrible. L'enfer du truc. Alors, normalement, là, on devrait avoir. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça devrait aller là. Ah oui, il y a ici aussi. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. C'est nul. L'éclairage qui sert à rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre pour l'Australie? Je sais pas ce qu'il y avait de base dans le parc en termes d'éclairage. Ah, il y avait ça, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Il y avait tous ces trucs un petit peu... laisser ça comme ça, je pense. On peut mettre ça peut être très sympa de mettre ça comme ça par ici. Tu veux me dire qu'il n'y a pas d'électricité ici là? Ah si, c'est juste que ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de... Bon, j'en laisse deux à chaque fois, c'est ça. Et le dernier, de toute façon, il est pas... on s'en fout. Exactement, monsieur. Bim. Bon bah voilà, normalement ça va le faire. Ça va être beau. Voilà. Voilà, c'est pas hyper aligné, mais de toute façon, on est dans un... On est dans de l'Australie un peu... destroy. Ah, et puis les finances remontent. Ce qui est plutôt sympa. Alors. Donc on a notre enclos. Le plus gros, mais limite, faudrait... on peut ramener des gens juste avec un enclos. Bla bla bla. Bim, c'est pas ça que je veux, c'est. Est-ce que. Hein, finalement, est-ce que. Non, juste sur la... sur un des... Ouais, je pense que ça va être bien. Comme ça au début. Et de l'autre côté carrément... Oh non, pas trop quoi. Voilà. Je vais faire que un côté pour... pour des raisons... De toute façon, de l'autre côté, j'ai pas du tout commencé, donc... Alors... Reste à savoir si... Non mais je sais pas, j'ai pas envie de commencer à faire
l'enclos avant les animaux. Je sens que ça va être une très mauvaise idée si je fais ça. On va mettre les bancs, on va mettre la base, la vraiment. Non, ça c'est Afrique plutôt. Mais limite ça va bien. Hein. Si on met juste comme ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, on va mettre un là au début là. Ouais, genre juste comme ça là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal ça. En espérant que ça fasse pas trop cramer là. Trop cramer les groupes. Parce que je sens qu'ils vont pas aimer être être trop dérouté. Hop. Ouh là là là, c'est pas droit ça. Voilà, allez. Ça passe pour cette fois. Hop. Hop. Voilà. Par contre, on va garder la même poubelle que les autres. Parce que sinon, ça va être absolument n'importe quoi. Alors, hop. On en met une là. On en met une là. J'espère vraiment que ça va pas tout faire bugger. Parce que là, de mettre les... On verra. Alors, on va essayer de remettre avec les mêmes couleurs. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, un peu, ça va. J'aime pas trop le design à chaque fois de ces trucs là. Je sais pas pourquoi. Bon allez, achetons les casoars. Encore ? Bon, j'achète les casoars et on voit les antilopes ensuite. Alors, casoar, bam. Casoar à casque. Alors, est-ce que... Ah, je n'avais pas tant que ça, des petites... des petits crédits feuilles, machin. Ils sont tous vieux, hein. Juste un petit couple, ça suffit, je pense. Oula, lui il est vraiment nul par contre. Autant lui ça va, mais alors l'autre. Bon, bah de toute façon, a priori. Voilà, voilà quoi. Est-ce qu'il y avait des animaux qui étaient en galère là? Ah, va falloir que je. Pangolin? Pourquoi? Bizarre. Donc transfert. Merci à Flo du 59150. Merci du follow. Et je sais pas si t'es dans le chat, mais tu peux faire. Ah bah voilà. Salut à toi. Tu vas bien? Ah oui, quand même. Non, ça va, normalement je connais bien, mais voilà. Par contre, je suis pas à 1500 heures. Hein. Moi, ça va nickel. 1500, ça commence à faire beaucoup quand même. Hop. Du coup, tu t'éclates aussi sur Planet Zoo.
Tu fais plutôt bac à sable, franchise. Moi, je dois avouer que le bac à sable m'ennuie un peu, puisqu'au bout d'un moment, il y a... j'aime bien la gestion de l'argent quand même. C'est trop facile le bac à sable. Il n'y a pas trop d'enjeux à part la créativité, et au bout d'un moment, bof quoi. Donc voilà, j'essaye de faire quelque chose qui tourneront aussi bien pour les animaux, en créativité, en argent, et d'essayer de respecter quelque chose d'un peu réaliste. Ah oui, Planet Coaster, mais oui, mais alors ça j'y ai joué beaucoup avant aussi. Ouais. Alors, par contre, ça fait longtemps que j'ai joué. De toute façon, dès que Planet Zoo est arrivé, j'ai abandonné Planet Coaster. Qu'est-ce que je voulais faire là? Ouais, Planet Zoo, pour moi, c'est. D'ailleurs, j'aurais limite aimé un jeu qui fasse un peu les deux. Alors, ça aurait été n'importe quoi, évidemment. Ça aurait été tellement marrant. Ah, les petits casors sont arrivés. Petite pause. Hop là. On va voir ce qu'ils veulent. Ah oui, il y avait les antilopes. Les antilopes d'Amérique à gérer avant. Ouais, mais Planet Coaster est arrivé bien avant aussi. Alors, c'est un peu logique d'avoir plus de jeux sur Planet Coaster. Mais ouais, niveau créativité, les constructions à faire, c'était tellement dingue sur Planet Coaster. Après, on retrouve plus ou moins la même chose. Alors, pour l'instant, il y a un peu moins d'objets pour construire les choses sur Planet Zoo, mais bon. Ça reste plutôt pas mal. Non mais j'aurais aimé, des petits manèges en plus, des trucs comme ça sur Planet Zoo. Il manque 2-3 petits trucs. Après, ils sortent toujours des DLC petit à petit. Bah comme ils faisaient sur Planet Coaster d'ailleurs. Il y a eu je ne sais combien de DLC. C'est affolant. La personne qui veut acheter Planet Coaster maintenant, je pense que il y en a pour un petit budget. Alors, les casoars. Ça c'était full tropical, jungle. Bon alors, les herbes longues, c'était évident qu'il y en avait trop. Ouais, et puis c'est trop bien parce que ces jeux-là, tu peux les... En fait, à chaque fois que tu recommences quelque chose, tu recommences un parc, par exemple, pour Planet Coaster ou Planet Zoo, tu peux refaire complètement autre chose, complètement différent. Enfin, c'est complètement... C'est infini, les heures de jeu. C'est complètement infini. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment... important quoi. C'est pour ça que c'est pareil, le mode bac à sable, j'ai jamais trop aimé, puisqu'au final tu perds beaucoup dans Planet Zoo, tu perds tout ce qui est recherche, tu perds tout ce qui est argent, tout ça, et mine de rien ça donne encore un peu plus de challenge, un peu plus d'intérêt. Ah bah oui, après chacun ses petits... Et j'ai voulu m'y remettre d'ailleurs il y a quelques mois à Planet Coaster, juste pour revoir le... Parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal d'heures aussi. Et non, moi les animaux ça m'a fait kiffer. De toute façon le jour où j'ai appris qu'ils allaient faire... c'est un Planet Coaster mais avec pour le zoo quoi. En vrai c'est les rois du jeu de gestion.
frontières, ce qu'ils ont fait avec ça, c'est le jeu parfait. Enfin, c'est en gestion, je parle. C'est tellement dingue. C'est tellement précis, tellement... Il y a tout, quoi. Ça fait un peu fanboy, ce que je dis, mais... Alors, on va crevasser un peu. Pas que ce soit trop régulier, bam. Voilà. Je sais plus du tout, je sais pas. Je te dis, ça fait un moment que j'ai pas joué. Est-ce que je fais un plan, un mini plan d'eau? Non, peut-être pas. Non, ouais, je sais pas. Je sais pas à combien je suis, mais. Non, bah après, je suis pas mis dans les 1000 hein, non plus. Hein. Ouais, non, je suis pas du tout. J'en suis pas là du tout. Je pense que ça doit tourner autour des. C'est moins de 100. Hein. Je pense que c'est moins de 100. Mais ça. Ouais, on doit être un peu moins de 100, quoi. Je pense. Parce qu'en plus, c'est des jeux où. Quand tu te. Enfin, c'est des jeux qui prennent du temps. Tu lances pas le jeu pour 10 ou 20 minutes, quoi. Ça, enfin, tu fais rien en 10 ou 20 minutes. Donc, en fait, ça. Mine de rien, ça. Ça s'accumule assez vite, mais c'est pas non plus à ce point-là. Je pense pas. Allez, on va regarder ça. Bim, espèce. Bon, on s'en fout du coup. Je vais juste. Allez, bam. Ouais, 2500 heures, ça commence à faire. En plus, à la fin, j'avais un peu le... ralenti, surtout sur les derniers DLC. Ouais, je me rappelle qu'il y avait eu des mini DLC avec juste des... quelques objets vraiment spécifiques. Du sable. Alors je fais ça, mais il y aura certainement beaucoup de pierres par-dessus. Je sais pas trop. Ouais, par ici, il y aura beaucoup de pierres de toute façon. Alors, ensuite... Ils veulent de la verdure possiblement à fond, ouais. Ça, c'est trop bien, ça. Ça, j'aime ça, ça. Les petits animaux qui veulent... où tu peux vraiment mettre autant d'arbres que tu veux. Alors, je vais mettre côté un peu désertique ici. Comment ça, c'est Australie quand même? Non, pas du tout. Rouge. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que... Voilà. Ah oui, non, par contre. Allez, c'est parti.
Hop. Faire un sol tout rouge, un peu désertique, Australie quoi. Et ensuite ça va partir en forêt. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Ah, les trucs trop carrés, je suis pas fan. Hein. À part pour faire ça, ça sert vraiment à rien. Le truc pas très rigolo à faire. Pour le coup, il n'y a pas trop d'action. Ah, il n'y a pas. C'est pas ouf. Bon, ça devrait aller là. Ensuite, ça va partir en full tropical. D'ailleurs, c'est trop bien maintenant. Il y a les murs tropicaux. C'était les murs végétales. Je sais plus comment ça. Si, c'est ça. Mais ça, c'est la vie. Mettre ça au sol, c'est tellement trop bien. Ça te fait une base pour tous les animaux. Alors ça compte pas comme des arbres, mais la plupart des animaux peuvent grimper dessus. Et visuellement, c'est trop, enfin c'est stylé quoi. Essayer de créer des trucs pas trop réguliers. Bon, de toute façon, il y aura plein d'arbres autour, hein. Enfin, en plus. Mais bon. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Hop. Alors ici. Oula là 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 là, non. Bon, il y a 2-3 endroits que ça va être où ça va être un petit peu plus costaud. Alors, ah, je pense que ça va être stylé de ouf. Ça va être trop bien. Ah, par contre, va falloir enlever ça.
Je suis pas sûr qu'ils vont aimer les glycines. Non, non, il le reconnaît pas, alors que... tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, je peux direct mettre Kazoar. Ici, Kazoar. Ici, il y a de l'électricité. C'est très bien. Et puis, bah, on continue. Alors, je sais, en premier plan, je sais pas si... On verra. On jouera peut-être plus avec la végétation, la vraie végétation. Là, le problème, c'est que si je mets ça comme ça... Ça va être très carré. Hein. Je sais pas si ça se voit vraiment. Pas tant que ça en fait si je les accumule. Non, pas trop en fait. Non, 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 non. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Bim. C'est hyper long en fait de faire ça sur un grand enclos. Mais ça va être beau, je pense. J'espère. J'espère, j'espère. Ici, ils peuvent pas passer, hein. Non, non, pas du tout. Ils sont beaucoup trop petits. Beaucoup trop petits. Alors, ouais, donc, de toute façon, ça, j'ai réglé. Bam. Il manquait que... Ah, il n'y a pas de... En fait, je sais même pas ce qu'ils veulent. Allez, c'est parti. On continue, on faiblit pas. On va au bout du bout du bout. Après, c'est peut-être intéressant de laisser 2-3 zones sans non plus de la verdure dingue quoi, des petites clairières ouais, surtout devant les visiteurs, genre ça là c'est pas mal ça, mais par contre c'est très carré. Oi, 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 oi. Hop 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 hop. Non, 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 pas ici. Voilà.
On voit rien du tout en plus avec l'herbe. Ah, voilà, voilà, voilà. Il y a encore tout ça là-bas à faire. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est le jeu de la patience. Le jeu de la patience. Non mais en fait ça va aller vite après. En plus je peux même pas copier-coller puisque... c'est pas du tout du tout... Enfin tout est en fonction du relief. Donc ça n'irait absolument pas du tout. Ah mais il faut que je fasse attention de l'autre côté là. Non ça va. Rien n'a dépassé à part ça. Ça, ça a dépassé, mais bon. C'est caché. Ah là là, le bonheur de faire des trucs... Non, en vrai, ça va être pas mal. Je sais pas ce qui... Bon, de toute façon, c'est... Bon, allez, on continue, on verra après. Je sais plus du tout quelle plante tropicale il y a en truc pour vraiment faire des gros bus. Là. Ça ne s'arrêtera jamais. Hop là. Hop. Hop. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ça plutôt pas mal. J'ai envie de mettre... Juste pour voir où ils vont. Oula, ça court. C'est quoi ce bruit? C'est genre l'orage qui va arriver ou dans 2 secondes et demie ou... Que se passe-t-il? Ils ont exactement les mêmes... Mais qu'est-ce qu'ils ont? Doucement, doucement, doucement les petits, doucement. Je mettrais bien l'eau ici cachée un peu. Et un truc tout simple. Non, on s'en fout. Ils sont déjà à l'abri. Pas besoin, je pense. On va garder Kazehar au moins pré-rempli. Alors, un truc. Voilà, un peu. Caché, mais ouais, doucement quand même. Oh, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé ce que j'avais fait. Alors,
Voilà. En espérant que ça passe. Manchot royal, ok, cool. Ok, cool, cool, cool. Ah oui. Oh, le bruit. Ah oui, on en est là au niveau des bruits. Allez, on continue. C'est presque fini. C'est presque fini. Il faut des bruits de dinosaures. Je pense que je vais rien mettre ici. Par contre ici je vais carrément mettre des trucs. Calme-toi. Un peu dommage que ça redevienne. Merci Prizy. Merci pour le follow. Et non, Prizix. Peut-être, ouais, je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, merci. Merci, merci. Donc oui, j'avais pas vu ton message. Salut, tu joues en franchise. Ouais, je joue en franchise. C'est pour ça que je suis en... Je vais enlever la pause, là, pour avoir un peu plus d'argent, parce que je suis pas non plus... Ah, super. Justement, tiens, l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je joue en mode franchise pour... La gestion d'argent me plaît. Le mode bac à sable, au bout d'un moment, c'est trop facile. Voilà, beaucoup trop de doigts. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'animal est stressé, c'est ça? C'est celui-là? Ça, c'est à cause des gens. Ah, c'est le casoar qui fait... Ah non... C'est juste qu'ils ont pas de... Ils ont pas encore tous les... Oh, moi je vais mettre pause. C'est parce que vu que je fais l'enclos, j'ai pas encore mis de trucs pour qu'ils mangent. Ils ont à boire, mais bon... C'est vite fait, quoi. Ouais, donc je joue en mode franchise, puisque le mode bac à sable, bof bof. Quand il n'y a pas la gestion d'argent, je trouve ça un peu trop facile. Et en plus, il n'y a pas... Enfin bref, je préfère tout faire, la recherche, l'argent, etc. C'est un peu plus sympa. Il y a un peu plus de challenge. Au moins, quand tu fais un beau bâtiment et que tu as vraiment dépensé l'argent que tu as galéré à gagner avec le reste, bah, c'est un peu plus gratifiant, quoi. Hop, petite lampe torche. Donc là, je vais faire une petite jungle à mes Kazoa. Donc je viens de faire un nouveau bâtiment avec... Combien d'heures de jeu? J'ai quelqu'un qui m'a demandé juste avant.
et je suis incapable de répondre, j'en sais rien. Beaucoup. Assez pour bien connaître le... bien, même très bien connaître le jeu. On est très loin de mon premier zoo, donc voilà. En même temps, si je commence à faire des gros zoos en mode franchise, je pense que ça va. Du coup, tu y joues toi, j'imagine. Ah, tout nouveau sur le jeu, donc, enfin tout nouveau. Tu as joué beaucoup depuis ou t'as eu le temps un peu? Ça prend du temps mine de rien. Ça fait partie des jeux où, bah, encore une fois, tu lances pas le jeu pour 30 minutes parce que tu peux pas faire grand chose en 30 minutes quoi. Ah, tu streams. Tu stream en plus dessus, bah cool. J'irai voir vite fait. Ça c'est pareil. Je l'ai déjà dit à je sais plus qui il y a quelques jours. Regardez les os des autres, ne serait-ce que des photos, des vidéos ou autres, ça donne carrément plein d'idées pour ses propres os en fait. Il y a tellement de choses à créer que. Ouais, se donner des petites idées comme ça, c'est toujours sympa. Après, il n'y a pas de gros streamer dessus, je pense. Mais il y a régulièrement du stream dessus, des vidéos, des trucs comme ça. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube quand même. Merci à Biwichan. Sympa. Alors, sympa ta technique pour le si. Pour le quoi? Pour le si, je n'y avais jamais pensé. Ce que je fais là pour les... Alors attention, ça ne compte pas comme... Enfin, pour le sol. Oui, pour le sol. Ah, c'est ça, le sol, oui. Alors, ça ne... attention, ça fait beau, mais ça ne compte absolument pas comme végétation. Hein. Les animaux, ils voient ça comme un sol classique. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que tu peux... Il voit ce qu'il y a en dessous. Donc de la terre, semi de la terre, etc. Et après, il faut rajouter. Mais c'est vrai que pour faire tout ce qui est jungle, j'ai mis... Attends, je vais montrer vite fait. J'ai fait les petits pangolins là-dedans, là. Ça, enfin, je trouve que ça rend plutôt pas mal. En fait, j'ai mis full... le sol, full... full... comment ça s'appelle? Mur végétal. Et puis j'ai rajouté à droite à gauche des petites plantes, quoi. Et du coup, ouais, ça fait vraiment... ça fait fouillis, quoi. Ça fait la jungle. Ça fait le sol... le beau sol... le beau sol tout doux, plein de trucs, quoi. Après, c'est un peu long pour les enclos, un peu plus gros comme celui-ci. Mais bon, il faut bien ça pour que ce soit beau. Ouais. Après, en général, les animaux tropicaux, jungle, ils veulent à fond. Et ça, j'aime. Genre, je sais que lui, il va vouloir à fond. On peut blinder de végétation, faire quelque chose de bien fouillis. Et c'est trop beau. Après, c'est trop beau. Non, moi, j'aime bien faire des trucs très... Dans ce que t'as des animaux, genre les flamants roses, les crocodiles, etc. Ils veulent rien et... C'est tout plat, c'est tout pas... Enfin, c'est... Faut s'arracher les cheveux pour faire quelque chose de présentable, quoi. Alors, je vais quand même garder des petites zones... des petites zones d'herbe. Pas que ce soit tout
Bon, là, ça devrait aller. Fais le tour vite fait. Alors, hop, plante. Asie, Océanie, tropicale. Asie, Océanie, bam, et tropicale. Ah oui, il y a vraiment que ça? Oula, vraiment? J'ai dû louper un truc. Asie, Océanie, tropicale. Mais c'est pas possible. Ah non. Pfff. Ah, j'ai eu peur. Non, mais n'importe quoi. Alors, il faut que je trouve de la végétation un peu costaud pour le fond. Un truc qui cache un peu. Bah, qui cache le fond, quoi. ça peut être pas mal. On va éviter que ça transperce le mur et le toit. Ils sont un peu grands, ces trucs, quand même. Alors, je joue jamais en mode franchise, je suppose que tu peux pas changer l'heure pour mieux... Ah, et non. Les aléas du mode franchise, c'est que si tu veux changer l'heure, t'appuies sur le petit bouton play, et puis tu attends que ça passe. Oui, donc le mode franchise, c'est vraiment un peu le mode hardcore, hein, puisque tu perds de l'argent, t'es obligé de faire des recherches... Donc voilà, ouais, tu peux pas... Ouais, c'est le mode réaliste à fond, et en plus, si tu perds vraiment trop d'argent et que c'est plus possible de revenir, bah t'as juste perdu ton zoo, en fait. Hein. C'est pour ça que faut faire attention. Ouais, faut faire attention, quoi. Après avec un peu d'expérience et tout... Tu sais qu'au début, il faut 4-5 espèces pour être bien, pour commencer le zoo, après, c'est toujours la même procédure. T'as des espèces qui sont beaucoup plus faciles pour débuter le zoo et pour ensuite partir avec des espèces beaucoup plus qui demandent plus de place. Par exemple, si tu commences avec de l'ours polaire, là c'est sûr que ton zoo, il va pas tenir longtemps. Tout ce qui est carnivore en général, ça demande tellement de budget en nourriture que c'est juste pas possible, quoi. Au début, en tout cas. Ouais. Donc ouais, le mode franchise, après, c'est ça. Bah, moi je préfère, puisque comme je disais, il y a un peu plus de challenge. Le mode bac à sable, il est... En fait, trop de créativité tue la créativité. Il n'y a pas le petit challenge d'avoir fait un grand bâtiment juste avec l'argent que t'as pu accumuler. Le fait d'attendre, le fait que tel enclos marche... Enfin, voilà.
Alors, le sand... Alors tu préfères le sandbox justement parce que je peux faire ce que je veux, ce qui m'amuse c'est de créer plus que Jay. Après, il y en a plein, hein. Il y en a vraiment plein. Et c'est pareil, tout le monde... oui voilà, tu peux préférer créer... Moi j'aime les deux en fait, enfin tu sais c'est la symbiose des deux. Vraiment c'est ça, c'est de pouvoir créer avec... tu vois au début on peut pas faire des gros, au début en franchise... On peut pas faire des énormes bâtiments qui coûteraient trop cher. Enfin, voilà. On est obligé de faire des trucs très simples avec des espèces très simples, style tortue, etc. Et ça suffit. Ça te fait tes premiers visiteurs, etc. Mais effectivement, il y en a. Et puis, c'est pareil, t'as des joueurs qui vont pas y pouvoir y jouer 6 heures d'affilée pour justement accumuler de l'argent pour pouvoir. Enfin, bref. Donc, ouais. Il y a tellement de styles de jeux différents. Que voilà, c'est pareil quand tu fais les scénarios là, le petit mode campagne, on est sur un style de jeu aussi complètement différent et qui est très sympa aussi. Ils font marrer à courir partout tout le temps. Ils sont à fond tout le temps. Mais par contre, ils vont commencer à avoir faim, je pense. Ouais, il en faut pour tous les goûts et puis il a une durée de vie, le jeu, infinie. Quoi. Il y a toujours quelque chose de... Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. On peut recommencer 45 fois, il n'y a pas de problème quoi. Et ça c'est trop bien. Alors petite boîte à fourrage, où est-ce que je vais la mettre? Je sens que ça va faire ici, ça peut être sympa mais... Ils volent pas trop, non, ouais un peu... C'est pas grave, je mettrai des feuilles pour cacher. J'espère qu'ils peuvent y aller quand même. Il y a le chauffage à mettre aussi. Ça, c'est pareil dans mes zoos, j'essaye de mettre des trucs un peu réalistes pour tout ce qui est chauffage ou froid. C'est uniquement dans des enclos. Dans des bâtiments. Dans la réalité, on verra jamais un enclos extérieur avec un truc qui crache du froid, qui fait de la neige ou je ne sais quoi. Ou inversement, un truc avec du chaud. Ça sera forcément au moins sous un abri, quoi. Et au mieux dans une serre ou un bâtiment. Alors. Ah ouais, les casseurs, ils sont. Mais j'en ai pas souvent en fait. C'est pareil tout à l'heure. Enfin, je dis tout à l'heure. Je sais pas, mais en projet de mettre des koalas, j'en mets pas souvent non plus. Juste en face. Là. Par contre, les casseurs, ils font un bruit. On dirait des dinosaures. Hein. Bon, là, on n'entend rien avec la pluie en plus, mais. Non, on les entend là. Ça fait pas le bruit. Ça fait un bruit de dinosaure le truc. Hein. Ça va être sympa si je continue la petite jungle comme ça. Bon, j'espère qu'ils vont pas être trop stressés parce que les. En fait, ça va faire beaucoup de... Enfin, ça va faire les visiteurs qui vont être vraiment juste à côté. Et il y a certains animaux qui aiment bof.
Animal mort. Vieillesse. Ouais. Le bruit des manchots, toujours un plaisir aussi. Alors ouais, j'ai fait une colonie de manchots. Alors le bâtiment est pas beau. Parce que pour l'instant, j'ai pas fini. Il reste tout ce côté-là, je sais pas quoi faire. Je voulais un grand bâtiment avec une grande colonie de manchots. Donc j'ai fait ça. Mais bon. Les flamants roses aussi, ouais, ça gueule tout le temps. J'ai mis les phoques aussi, là, c'est trop bien, le dernier pack aquatique. J'ai fait un grand. Une grande zone aquatique, enfin de sous-marine avec vie. Avec les gens qui puissent regarder quoi. Avec la plage. Il fait la sieste. Et puis. Où est-ce qu'ils sont les autres? Il n'y en a plus qu'un. Non. Il n'y en a plus que deux. Bizarre. Ah ouais, ouais, les phoques ne font rien de leur journée. Ils dorment comme des... Comme des gros sacs. Alors, le phoque. On va en acheter. Hop. Il faut de la femelle. Hop. Voilà, ils sont nuls. Ils sont pas dingue. Bon, il y a que ça. Et comment ça se fait qu'il y en ait plus comme ça? Donc ça c'est ok. Il y a des animaux qui sont dans mes... Enfin en attente, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ils sortent. C'est assez bizarre. On va en acheter un autre. Hop. Bim. Mais en fait c'est pas... Ouais c'est ça, c'est trop compliqué à... De toute façon tous les jeux de gestion en général, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent bien en stream. Et puis il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'action en vrai. Tu regardes ça... Alors quand tu y joues c'est sympa parce que ça va te donner des idées, ça va te... Il y a toujours quelque chose de sympa à voir. Mais il n'y a pas... Pour des gens qui veulent de l'action, veulent juste regarder quelque chose qui bouge. C'est pas ce qui se fait de mieux quoi. Oh non, les maladies qui commencent. J'ai eu une épidémie la dernière fois. J'ai perdu presque... J'avais plus de 100 manchots. Et il m'en restait 30 à la fin. En fait, quand t'as des gros groupes comme ça, c'est un enfer. Aïe aïe aïe. Bon, on verra ce que ça donne. Reprenons les casoars. Ouais, du coup, trop compliqué quoi. Trop. Ouais, et puis il y en a qui veulent pas. Qui veulent peut-être pas forcément. Trop se compliquer la vie à apprendre, on va dire. Pas à apprendre. À chercher à comprendre quoi. Après il a quand même bien marché il me semble le jeu. Il s'essouffle peut-être un peu maintenant puisque il est sorti il y a un moment mais. Alors, petit bambou.
pas essayer que ça traverse pas les murs parce que ça fait très moche. Alors, il était où le panier? C'est quoi cela? Oh, ça peut être bien aussi cela. Ok, tu dois partir. Bah, bon appétit en tout cas. Bon appétit. Et merci d'être d'être passé. J'essaierai de venir te voir aussi si tu stream puis ou tes replays d'ailleurs. Ouais, et puis bah bonne soirée, bon appétit. Où est-ce que c'était? Il y avait ça aussi qui était pas mal. On va déjà faire ça. Ah, la pluie s'est arrêtée. Ça fait du bien. Bon, je verrai après tout ce qui dépasse. Ça m'a l'air pas mal en termes de... Alors en vision comme ça... Non, c'est pas mal. Pour le fond, c'est pas mal. Ça fait bien garni quoi. Oh, il y a déjà un bébé. Oh, il y a déjà un petit. Un petit qui est pas si petit que ça d'ailleurs, mais... Donc, on voulait... Oui, on te voit. Oui, on te voit, le petit. Est-ce qu'il y a les gros... Non. Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de... Ah, dommage. Ça, peut-être, par contre... Ouais, ça peut le faire. On fera une petite transition pas trop nette. Parce que là, des fois... Oh, avec des petits palmiers comme ça, là. Est-ce que... Il n'y en a pas des tout petites, ça?
Pas trop trop. Oula, un petit coup de... Je sais pas trop quoi mettre en... Non, pas ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Pas déjà Sando, non? Le Sika, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je peux déjà en mettre un là. Ou alors carrément ça, on part là-dessus. Non, c'est pas beau. Ou alors des arbres. Il n'y a pas des arbres un peu secos quoi. Voilà, les bruits. Ça fait marrer les enfants. Du beau, du beau, du bon. Manque qu'un peu de lumière quand même. Oh la vache, j'ai aucune... Ah si, ah non, ah ou juste de... Ouais non, en fait si je coupe les lumières, on est d'accord que... Oh. Ah oui, ouais ouais ouais, on est sur du... De l'aveugle là. Bon, on continue ça. Ah oui, il y avait ça aussi. Comment faire ma petite bordure là? Sinon je mets du... Non, ça va pas être beau. Hein. Mais sinon, il y a, si, il y a ces petits arbres là. Peut-être que... Ils sont pas si hauts. Un truc comme ça pour... Ouais, ça passe. Ou alors je fais full fougère sur le côté là. Trop mal comme ça, c'est pas trop mal. Ah mais les lumières, je peux les mettre directement sur le... Oh mais ça va. Ça risque de tellement les éblouir. Là. Si je fais ça, c'est de la cruauté envers les animaux. Alors, bim. Oh, en vrai, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal du tout. Le petit côté verdoyant là-bas.
Je suis à deux doigts de mettre les lampes. Je sais pas s'il faut mieux éclairer. Ou alors j'éclaire en vert sombre de le au loin. Et là, le jour va se lever. Donc ça ne sert à rien du tout. Donc, au niveau habitat. Ah, il y a les petits couchages aussi à faire. Non, c'est pas mal comme ça. Et bah, j'ai juste à mettre ça comme ça. Oula, 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 oula. Voilà. Comme ça, ils peuvent se coucher au moins. Tranquillement. Évidemment, il y a toujours ça. Ouais, ça casse tout. On cache ça là-dessous. Hop. Pareil ici. On peut en mettre un autre ici. Bim. Oui, 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 oui. C'est juste des écuelles pour les... Est-ce que c'est juste des écuelles? Ça a l'air d'être simplement des écuelles. On va mettre une écuelle ici. De toute façon, ils seront pas grands. Enfin, ils vont pas être 150, quoi. Je pense pas. Cache pour simuler vraiment un chauffage interne. Le bâtiment est chauffé quoi. Comme ça il n'y a pas de problème de... Ouais donc en fait de toute façon ils vont manger là-dedans forcément. Ils vont manger. Ils vont manger là-dedans. Les lumières, pas du tout, on verra plus tard ça. Le koala. Alors ça par contre... Alors ça par contre le koala... Oh, j'aurais bien continué quand même... Qu'est-ce que je peux... Ah mais si, mais si... Il y a tout plein de... Mais oui, si je mets casoar comme ça... Hop. Hop. Déjà, ça fait un peu de déco mine de rien. On sait où on va. On sait ce qu'on va trouver quoi. À l'intérieur, ça. Voilà. Et pourquoi pas ici? Alors, c'est beaucoup trop grand. Ouais, non, ici, tiens. Bon, c'est pas oufissime. Il y a d'autres trucs. On verra. On verra si... Salut, Chaka the Muse. Bah oui, ça va et toi?
Ah non, c'est pas très Covid friendly comme jeu, surtout surtout avec les gens qui... Mais ils portent même pas de masque, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Non mais heureusement que... On retrouve pas dans le... tout ça dans les jeux vidéo. Enfin en tout cas pas ce genre de jeu. Tu connais un peu Planet Zoo ou pas du tout, je sais pas. Je sais pas si t'as déjà joué ou... Même ne serait-ce qu'entendu parler. On peut casser les bâtons, les ballons des... Clic. Mon jeu préféré. Alors... Je pense que du coup ça c'est bon. Non, pas du tout. Bah c'est en gros faut faire un zoo, mais enfin c'est un jeu de gestion un peu poussé quand même. Et bah de zoo quoi, hein, comme son nom l'indique finalement. Et donc faut faire attention. La petite particularité c'est que chaque visiteur qui entre, tu peux vraiment voir. Donc faut aussi bien gérer les visiteurs que les animaux puisqu'ils ont eux aussi leurs propres besoins. Bon, les casoars ça fait un bruit de dinosaure un peu mais... Donc faut faire exactement ce qu'ils veulent en termes de besoins etc. Et voilà, mélange de créativité pour que ce soit quand même beau. Avec leur propre habitat, gestion de l'argent. Puisque j'aime quand même la gestion de l'argent. Il y a un mode bac à sable, hein, mais c'est un peu... Moi j'aime pas trop, je préfère construire, faire de beaux bâtiments avec l'argent que j'ai gagné. Et pas trop tricher. Donc là j'attendais la nuit pour aussi construire, enfin finir cet enclos. Parce qu'en fait de nuit on voit absolument rien et j'aimerais bien avoir comment dire, la vision de nuit pour mettre les projecteurs et tout. Ah oui. Mais Ninon elle était à fond dessus aussi. Hein. Elle y joue plus beaucoup. De toute façon quand le jeu est sorti on faisait que d'y jouer. Et c'est très chronophage. Puisque il y a tellement trop de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire tout le temps quoi. D'ailleurs. Alors. Bah. Ah non oui c'est ça. Les bisons. Tu vois, genre par exemple s'il y a deux mâles. Bah non. Par exemple, t'as beaucoup d'espèces, aussi à deux mâles, ça va créer des conflits. Donc faut en vendre un ou en lâcher un dans la nature. Sinon t'as des animaux blessés. Et c'est pas cool. Si j'arrive à trouver le deuxième mâle, il est où? Là il y avait l'alpha. Bah. Ah, il est là. Et donc là, je le relâche dans la nature, bam. Il disparaît et tout le monde est content. Donc ouais, niveau créativité, c'est au top ce jeu. C'est trop bien. Il y a des manifestants aussi qui viennent. Quand tout le monde voit que il y a des animaux qui sont pas en... Enfin il y a quelque chose qui va pas avec certains animaux. Sauf qu'il y a certains animaux, notamment les antilopes d'Amérique, qui sont très chiants. Évidemment ils veulent pas deux mâles dans le même enclos, sauf que ça se reproduit tellement vite que c'est
une galère à gérer. Hop, la petite musique. Il n'y en a pas d'autre. Je vais vendre des femelles aussi puisque trop réaliste. Mais c'est ce que je disais avec un viewer là, qui était juste avant. C'est les jeux de gestion un peu hardcore et il y a pas beaucoup de. Bah déjà il y a pas beaucoup de stream de viewers pour les streams sur ce genre de jeu. Enfin, le son du jeu est fort des fois. Et en plus de ça il y a pas beaucoup non plus de gens qui veulent prendre le temps forcément de jouer à ce genre de jeu. Alors que c'est trop bien, c'est dommage, il faut y jouer. Un peu trop haut. Le son. Ouais, le son du jeu. Mais c'est le problème, c'est la météo là. Qui. En fait, dès qu'il pleut, c'est horrible. C'est peut-être les effets, ouais, tout simplement. Je vais baisser juste ça, on verra. Dame. On entend moins. Alors, petit coup de lag. Il est trop mignon le petit caseur. Tout est beaucoup trop gros pour lui. Tomber, je vais pouvoir commencer les éclairages. Alors, peut-être juste mettre des projecteurs comme ça. Waouh. Un peu moins fort, évidemment. La violence de l'éclairage. Et hop, ensuite. Ça devrait aller. Hop. Hop là.
Bah, l'enclos est grand. Pour des animaux qui n'aiment pas trop les grands groupes. Hop. Voilà, 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 voilà. Je sais pas si... Non, c'est pas grave si c'est trop dans l'ombre devant, je pense. C'est pas important. Pourquoi par contre... Ah si, c'est, ça éclaire là. Ah ouais. Ça éclaire pas... Trop. Hein. Et comment je pourrais faire? Je sais pas. Ou alors je mets des lampes ici. Genre lampe comme ça, moche là. Ah, ça marche pas avec ça. Si, comme ça, ça marche. Alors, est-ce que... ça éclaire que dalle. Je sais pas trop, je vais mettre pause. Est-ce que ça éclaire? Ah, ça éclaire ça. Un sur deux. Là, on est bien là. Ça fait une petite ambiance. Un peu bizarre, mais... Bon, ouais, ça passe. Genre mes play. Pour l'instant, ça va aller. Je verrai, peut-être je trouverai d'autres solutions après. En attendant... Ah. Peut-être... Petite récompense. Super. On va pas aller loin avec ça. Que faire? Il y a trop de trucs à faire. Maintenant, je fais juste la déco extérieure. En attendant. Est-ce que... Non, je vais mettre la lumière en plus. Ici dehors. Hop. Petit lampadaire. Comme ça.
Hop. Hop. Et puis de l'autre côté, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin. Enfin, on verra plus tard. Ça, ça rend bien quand même la forêt quand on rentre. Ça fait feuillu, hein. On est dans la jungle là. Oh, encore? Ah oui, il est coincé. Oh non. Insupportable. Les phoques. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, c'est reparti. Les animaux en attente aussi que j'avais. Échange d'animaux. Pangolin de Chine. On va le remettre avec les autres. Oh, le tout petit. Alors ensuite, celui-là c'est bon. Ah, les pandas rouges, je les ai un peu zappés. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hein. Ah oui, puis je suis pas prêt du tout de leur faire un enclos. Ouais, bon, c'est pas grave. Ils attendront leur tour. Alors. Qu'est-ce que... Je vais mettre plutôt de la... Qu'est-ce qui pourrait être... Alors... Pas tropical, non. Pas forcément tropical. Je crois qu'il y avait de l'herbe sèche quelque part. Ah, non. C'est pas ça. C'est ça, oui, voilà. Tous ces trucs-là, c'était stylé à mettre. En plus, je vais pouvoir cacher les lampes avec... Oups, oula, 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 doucement. Doucement. Ouais, ça va être cool. Bam. Un petit peu sauvage. Alors, bam. Plutôt ici. Alors, ici. Hop. J'espère que ça... Non, c'est bon, ça le fait bien. Bon, c'est pas grave si on voit un peu les lampes à certains endroits. Ça n'est pas grave. Ouais, j'ai toujours ce truc là qui est... Les antilopes qui me hantent. Pas dessus, pas dessus. Alors, petite statue ici, tiens. Va falloir trouver quelque chose de potable.
Il n'y a rien de potable. Après, il y a le kangourou mécanique là. C'est rigolo parce qu'il bouge. Mais il n'y a absolument pas de kangourou dans le coin. Chose. Bah ce sera le kangourou hein, du coup voilà. Ah non, j'ai désactivé. Ah, il y avait ça. Ah oui, sinon il y a ça aussi en plus. C'est ça que je peux rajouter à cet endroit. Ouais, ça rajoute un petit truc. C'est pas dingue, mais bon, ça meuble. Ça meuble un peu quoi. Sinon les petits acacias là, c'est pareil, ça va meubler le fond. Mais ah mais c'est des buissons d'acacias. Mais comment ça s'appelait Eucalyptus. Pourquoi j'ai acacia? Pas du tout. Ça va être beau. Ça meuble un peu plus. On est en Australie comme ça. Non, pas ici, ça fait trop. Alors. Ah mais il y en a d'autres des eucalyptus en plus. Pourquoi on met un gros là? Bam. Ça dépasse, c'est pas ouf, c'est pas très joli. Ça va être galère à... non ça va. Ah mais c'est pas lui. Si. Oula, on l'a vu passer en courant le petit là. Alors. Est-ce que ça passe? Ça va. T'es ni trop feuillu là pour être Australie désert, mais en même temps ça va. Je pense que ça passe. Là, il manque vraiment quelque chose à faire ici. Et je sais absolument pas quoi faire. Là, c'est pareil, j'ai pas fini. Il va falloir rajouter de...
On va falloir rajouter quelques plantes. Biome tropical. Non, trop gros. Par contre, non mais pas ça. Si ? Non. Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? Petit bug là. Non, c'est bon. Ok. Oula ! Oh, le jeu il a carrément dit stop. Ok. Bon. Petite pause. Petite pause forcée comme on dit. Pause technique. Hop, on relance. Ah là là. Bien, toujours là, Chaka ? Chaka the Muse. Toujours là ? Non ? Ah, ok. Alors tu fais quoi de beau? Ah ok. Tu fais le gendarme. Ils sont pas trop méchants. Alors. Allez. Je vais peut-être pas tarder d'ailleurs. Arrêtez, je vais regarder d'où est-ce que j'en suis là. Alors le problème c'est que ça sauvegarde pas trop souvent. Et quand le jeu bug comme ça là, ça me fait toujours un petit peu peur de savoir où si je vais revenir une demi-heure en arrière ou quoi. Le petit coup de flip quand même. Alors. Ah ouais. C'était avant que je pose les eucalyptus quand même. Alors, bam. Bon, bah on refait, c'est pas grave. Ah mais oui, il y avait ça aussi. Ça, c'est pas mal à mettre sur les murs. Il faut meubler. Du coup, ce truc-là, peut-être que je peux quand même le mettre, finalement. Hop. Je vais tout mettre, ça va meubler. C'est le mot du jour. Meubler. Hop. À
Ah mais il y avait ça aussi. Ouais mais de toute façon ça, je peux pas le mettre je pense. Non je vais pas pouvoir les mettre. Je sais pas trop. Ah si, ça obligatoire à mettre. La petite carte. On écrira un truc là, ça sera tout beau. Bon, je vais passer aux eucalyptus. Alors, hop. Ça va pas aller là. C'est un petit peu. Si ça va. Allez hop, ça c'est bon. On en met. Oh là, ça dépasse. Non. Où est-ce que je l'avais? Il y en avait un là. Un par là. Peut-être les plus petits là, ça. Bah non. Et peut-être ici, bam. Comme ça, ça peut le faire. Un petit ici. Un plus petit aussi ici. Faut pas trop boucher la vue. Voilà, et puis on verra après pour le sol plus tard. Au moins, on a récupéré ce qu'on avait à peu près. Et puis quand on arrive ici, on sait qu'on arrive en zone Australie. Bah voilà, pour l'instant. Est-ce que ça vaudrait le coup de remettre un truc de don de l'autre côté, peut-être. Il y a peut-être des gens qui vont pas du tout passer par cette entrée là. Alors. Oui, ah oui, ah oui. Il y en avait plein. Ah mais ça, je vais carrément le prendre direct en fait. Alors, est-ce qu'il y en a des beaux? Il n'y en a pas tellement avec le thème Australie. Là, il y en a avec le thème classique. Quoi. C'est pas ouf. C'est pas terrible. Ah oui, j'ai plus que 30 000. Il y a tout qui a baissé d'un coup. Que se passe-t-il ? Ah, c'est... Oui, non, je sais. C'est à cause des trucs que j'ai placés. Ça vaut une fortune à chaque fois. Il va falloir faire gaffe au coût des trucs, quand même, du coup. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, hop, ça c'est bon. Ensuite, je voulais mettre les... Je sais même plus comment ça s'appelle. Que j'avais récupéré... Je sais plus quand, d'ailleurs. Où est-ce que c'est ? Hmm.
Je sais plus. Mais l'enfer. C'était en signe quelque chose? Ah oui, ils sont tous là. Ouais, on verra si ça passe. Il y avait ça aussi. Hop. Ah oui, il y avait ça. Ça, c'était stylé. J'ai plus de... L'enfer. Alors, ah oui, par contre, c'est écrit C'est pas de l'allemand, ça, c'est du néerlandais? Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est dommage, c'était beau. Peut-être en bidouillant, je vais voir. Il n'y a même pas... Si? Non? Bon, on verra. Bon, et je stoppe là pour Planet Zoo aujourd'hui. Je pense. Et je vais surtout aller manger. Alors. Hop, bah merci d'être passé en tout cas, Chaka. Pourquoi ah, ici. Hop, transition. Bim. Ouais, merci d'être passé, Chaka The Muse. Et puis, bah, à très vite. À très vite, à très vite. Moi, je vais y aller. Bonne soirée à toi aussi. Bisous. Mais elle est partie faire l'anniversaire aussi à... Elle est repartie à Tours là, faire l'anniversaire à sa sœur. Donc voilà. Elle est pas à côté de moi, Ninon. Elle est partie tout à l'heure et revient dimanche. Merci, à la prochaine, ouais. Salut.